Ça fait longtemps que j'ai pas eu mal de déchauffement. Puis que je m'étais blessé, ça fait 5 mois qu'on l'a pas mis. Ça fait plaisir. À gauche une montre, à droite? Une montre à gauche. À gauche. Toujours un doute. T'as l'heure ou pas là? J'ai pas l'heure sur moi. Bah si, mais. Pardon. Non, mais elle est pas à l'heure ma montre. J'ai juste le chrono. Je cache pas, moi c'est fini le football pour moi. En jouer? Ouais, bah tu sais, je m'entraînais le mercredi. Ouais, je me souviens, je suis là. Mais avec ce que j'ai eu, je préfère me concentrer sur l'arbitrage et ouais, je pense que c'est fini parce qu'en fait, je kiffe, mais une petite blessure à la con, tu es blessé 4 mois. Ouais. Je joue pas en tant que joueur donc. Après, ouais, c'est plaisant, mais le foot ça demande des appuis de. Si t'as pas saoulé de foot par rapport au match national, t'avais l'air dégoûté dans la story. Ouais, j'étais vraiment triste. J'étais triste parce que l'arbitrage, c'est une de mes plus grandes passions. Et quand on parle d'opération et tout, normalement, j'aurais pas dû être là, tu vois. Au premier avis des médecins du sport et de la vie de ma cheville, j'aurais même pas dû être là, donc je suis très content d'être ici. Ouais. Mais ouais, évidemment, c'est dur. Après, j'étais très motivé à faire ma rééducation tous les jours. Et puis voilà, ça, on va dire que l'implication que j'ai mise, ça a payé. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a rien de plus cher que la régularité. Et il faut que tu fasses un choix parce que si t'es blessé la moitié de la saison à chaque fois, ça peut pas aller. Et puis en vrai, l'arbitrage, on te demande juste de courir. Après, je te cache pas, moi je m'entraînais avec une petite équipe de foot près de chez moi, j'aimais bien ça. C'était... Champion de D4, ouais. Champion de D4, il a la ref. Champion de D4, ouais. Champion de D4 au de Vienne. Mais c'est même, ça fait du bien de rester en contact avec un club, tu vois, c'est un petit club de D2. Ouais. Ça fait du bien de rester en contact avec un club de foot. En plus, sur un contact tout con, tu vois. Mais t'aurais vu, tu verrais les terrains près de chez moi. Ouais. Bon, bah on est pas mal sur ça, mettre les chaussettes. Parce que maintenant, tu vois, moi, j'arbitre des matchs, que ce soit aujourd'hui ou même ce que je fais d'habitude, j'arbitre des matchs que j'ai pas envie de jouer, tu vois. Le foot, c'est vraiment devenu un combat, c'est plus juste de faire bien ta passe, de faire bien ton dribble. C'est vraiment devenu un combat physique et nous, on peut pas siffler tout le temps, sinon il n'y a plus de football, quoi. Le football est devenu comme ça maintenant, je pense. Je veux pas trop m'avancer dans ce que je dis, mais on est aussi responsable d'avoir un jeu fluide et tout. Et je pense qu'il faut s'y faire et voilà, il y a des joueurs qui se battent positivement, hein, dans le bon sens du terme évidemment. Mais je pense qu'il faut fluidifier ça, mais ouais, quand je vois les contacts et tout, il y a plein de contacts que je laisse jouer que moi je tiendrai pas. Hein. Mais voilà, t'as des joueurs qui sont de plus en plus puissants, etc. Et c'est un peu devenu le foot d'aujourd'hui. Hein. Bon, petite rééducation, petit exercice des chevilles, on est parti. On va échauffer tout ça. Le rouge, j'espère que j'aurai pas à le sortir aujourd'hui. On va quand même le mettre dans la poche. D'ailleurs, petite anecdote. J'ai parlé un peu à la caméra, j'ai mon premier carton rouge, c'était à cette CAN l'année dernière. C'est la première fois, j'ai pris je pense entre 30 et 40 minutes à le sortir de ma poche arrière. C'était T'as pas vu la vidéo? Je galère à le sortir. J'avais mis deux, c'était pas double jaune? Si, double jaune, mais il y a un rouge après, mais c'est pas filmé, on le voit pas. Ah, mais oui, j'ai pris un temps à le sortir. Pour dessus, c'est pas un truc comme ça? Ouais, c'est ça, j'avais jamais mis de rouge de ma vie et j'arrivais pas à le sortir derrière. J'ai revu la parenthèse. C'était plutôt une belle expérience. Bon, c'est quoi l'état d'esprit à 5 minutes du match? 5 minutes, peut-être un peu plus j'espère, parce que je suis pas encore prêt, mais envie de bien faire. Petite revanche par rapport à l'année dernière. J'ai manqué beaucoup d'expérience l'année dernière, donc j'espère qu'on va faire mieux. Normalement, on va faire mieux. Je suis très excité parce que c'est vraiment des compétitions que je trouve géniales, à la fois dans l'approche, l'ambiance du quartier, l'ambiance des gens, l'ambiance, le fait que le foot peut rassembler les gens, on va dire. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de refaire tout ça et puis voilà. C'est vrai que l'année dernière j'avais 2-3 mois d'arbitrage dans les jambes donc évidemment il y a plein de choses que je ne savais pas donc j'espère que là je vais pouvoir les mettre en application et puis content de revenir parce que même si ça a été très compliqué je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses. Bon, je suis tout seul aujourd'hui, il y aura Quentin avec moi demain et lundi mais voilà j'espère prendre du plaisir et on se revoit face caméra avec... toujours le même sourire après le match, je l'espère en tout cas. Petite pause sur la vidéo pour vous expliquer le contexte du match. Ce samedi 27 mai se déroulaient les deuxièmes matchs de poule. On a donc deux poules de 4 équipes dans la compétition et toutes les équipes sont directement qualifiées pour les quarts de finale. Voici le classement de la poule B avec le Cameroun qui s'est imposé 3-1 face au Maroc et la France qui a fait un match nul face à la Guinée. Les matchs durent 2 fois 30 minutes avec 9 joueurs de chaque équipe. Le règlement de la compétition est similaire à celle du football avec une modification, il n'y a pas de hors-jeu. Le contexte et les explications sont posés, place au match. Pour rappel, la France a démarré cette compétition avec un match nul et le Cameroun qui a démarré avec une démonstration de force avec une victoire qui s'est soldée sur un 3-1. Alors merci à tous, aujourd'hui va démarrer un très 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 gros match. On y va ? Bon match, capitaine ? Et bon match, c'est pendant là. C'est une heure, bon match. Bon match, vous allez bien ? Ça va, bon match ? Bon match ? Bon match ? C'est Adrien, bon match ? On fait la pièce, ok ? Noir, c'est bon pour vous ? Non. Rouge, c'est ok ? Ouais.
Noir, ballon, terrain, ok. Ok, bon match. Juste avant de commencer, messieurs. Messieurs, j'ai pas fini, messieurs. Numéro 4, débord, une seconde. L'idée, c'est qu'on reste en bon terme tout le long du match. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à venir me voir. Je compte sur vous pour maîtriser vos équipes, ok. Mais surtout, prenez du plaisir. Même si c'est un tournoi de quartier, c'est que du foot, donc on reste lucide et on kiffe. Ok, les gars. Bon match, les gars, allez. Et c'est parti. Bien joué. Mais ta qualité. Travaille, travaille. Quelle action, 1-0 1-0 pour l'équipe de France. Allez, va, encore, encore. Attends, bien joué. Avantage. Non, debout, debout, ça va aller ou pas? Vous avez une action, j'ai laissé jouer. Hein. J'appelle ou pas, monsieur? Ça va aller? Je vous relève, c'est bon? C'est bon? C'est au niveau de la cheville? Ouais, mais j'ai laissé le jeu, vous avez une action intéressante. Là, si je la coupe, vous me... Enfin, si je laisse un avantage. Pour moi, il a usé son avantage. C'est pour ça, ok? Faites ça les gars, faites ça au marquage! Au marquage! C'est ballon! On joue! Elle est bleue, bleue! Non, c'est le ballon! Capitaine, il joue clairement le ballon! Non, capitaine, c'est le ballon! J'étais vraiment dessus là-dessus! Lève la tête! Y'a pas de solution! Elle s'en fout tout de suite, hein! Accompagnez là-bas, décroche! Cameron. Vous avez le ballon, par contre, ça joue pas! Voilà, mais. Et la France. 8, c'est fini ça! Gardez le ballon! Merci! Oh. Je l'ai vu, je l'ai dit! Le Cameroun qui reste en France, la France qui temporise! Et JJ! Allez, mets de la qualité! JJ, c'est long! C'est trop long! Allez! À l'avant! Vas-y, vas-y! Ok, pourquoi pas? Voilà, va, coulisse, Pierre! Coulisse! Bien joué, mon gars! Reste bon! Bien joué! Ouais, c'est bon, non, des deux côtés, vous avez le ballon, c'est bon! Non! Ouais, et après, changez de vitesse! Rapide! Encore! Pas comme un bon, allez, travaille! Sans faute! Vous avez le ballon! On est au premier contact. C'est bon. Vous n'avez pas me demandé un rappel alors tout le match. Allez, la Stimola 10. C'est bon, je vous demande juste une chose, n'agrandissez pas votre surface. C'est ok? Au coup de sifflet, hein? C'est parti, allez, tu lèves la main. Fort devant le but. Côté. Non. Mais wesh! Mais c'est l'arbitre, il est qui la faute! Non, c'est vous qui le touchez. C'est bon, dans ma vision, c'est moi qui vous. Non. C'est bon. Dans ma vision, c'est vous qui le touchez, monsieur. Il touche d'abord la balle. Pas pour moi dans ma vision, monsieur. Allez, Adé! Coup franc, Adé à la baguette. Adé, Kylian. Ouh là là, le poteau. Je vais vraiment faire attention, pour moi c'est vous qui l'accrochez. Peut-être que je me suis trompé. Non, je vous promets que c'est pas. J'ai peut-être fait une erreur, mais moi je vous vois vraiment l'accrocher, je suis obligé de mettre du ici. Merci capitaine. Allez,
Gros duel, gros duel. Mandanda, Mandanda, Mandanda. Oh, égalisation du Cameroun. Incroyable. Pour le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. Mandanda. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est que le ballon, c'est que uniquement le ballon. Quel duel. C'est uniquement le ballon, je suis dessus. C'est uniquement le ballon. Il y a un joueur au sol qui est tapé sur la tête. Ça va ou pas? J'appelle ou pas? Vous voulez pas le mettre debout? Vous voulez pas le lever? Il est tombé sur la tête, je pensais qu'il était par terre, c'est pour ça que j'ai arrêté, ok? Je peux essayer direct. Pardon? Non, vous n'avez pas le droit de marquer directement sur une balle à terre. Si c'est touché, vous pouvez. Mais vous n'avez pas le droit. Tous les joueurs sont prêts ou pas? C'est bon? Ok, on recule un petit peu, c'est 4 mètres pour tout le monde, même pour vous. Nickel. C'est bon, monsieur? On recule un petit peu? Ouais, je vais faire gaffe. Allez. Vous avez le ballon? On vient au contact ici. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle, c'est moi qui parle, je vous demande pas de parler. Il y a clairement un contact, déjà on se tutoie pas. Non, c'est le football, c'est pas le contact, mais c'est pas tout le contact. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Là vous lui prenez le ballon, ok? Donc ça, ça sert à rien de me crier dessus comme ça. On est ok là-dessus? La prochaine fois vous savez. C'est ça, monsieur, venez voir, une seconde. Je fais vraiment attention, mais à chaque contact vous énervez. Je vous jure qu'il y a un contact là, ok? Donc s'il vous plaît, je compte sur vous. Hein. Ça y va. Suivez. Basta, tenez fort. Ok. Sans faute. C'est le ballon parfait. Non. Va. Il est touché ici. Quel but de Mervyn. Mervyn pour l'équipe de France. L'équipe de France. C'est bon, s'arrête là, capitaine. Messieurs, dames, mi-temps France-Cameroun 2-1 pour la France. On se retrouve dans 15 minutes. Il touche, il le déséquilibre, mais il le découpe pas. C'est impressionnant, mais de mon côté, pour. Non, en tout cas, j'ai pas. Peut-être que vous avez eu mal ou pas? Pour moi, j'ai l'impression qu'il vous touche très légèrement. Je trouvais ça. De quoi? Oui, mais je trouvais ça dommage de mettre un deuxième jaune et un rouge sur ça. Par contre, faites attention hein, sur le coup de pied. Je vous mets pas le jaune, mais hein, c'est de la frustration. Non, mais après, il peut se retourner, ça peut mal se passer. Je sais que vous connaissez tous ici, mais c'est plus pour que ça se passe bien. Tu vois, c'est que c'est un peu. Il nous menace. Allez, on va repartir. J'ai vu que ça commençait à monter un petit peu en intensité. Ouais, mais ok, j'essaie de bien faire les choses. Il y a les gestes que. Ouais, je sais. Je fais vachement. On est la première mi-temps, tu jettes là-bas. Je fais attention. Ok. Mais le gardien qui prend un petit peu de temps, vous l'avez fait aussi quand vous gagnez. Ça, pour moi, ça fait partie du foot. Si par contre, vous perdez vraiment trop de temps, je vais intervenir. Mais n'intervenez pas. On a même pas mené. Vous n'avez pas mené un moment? On n'a pas mené. Ok, je me suis trompé. Ok, mais en tout cas, je vais faire attention. Mais ne sautez pas direct parce que ça me donne encore moins envie d'intervenir. Laissez-moi faire mon boulot. Ok? Merci, monsieur. C'est parti, Loa, qui ressort tranquillement avec Boris. Boris qui va chercher un jeu long, balle perdue, récupération de Arsène.
Arsène. C'est tranquille, Arsène, c'est tranquille. Kylian. Et hop là, anticipation de Manu. Manu qui a une grosse lecture de jeu. Il y a un très 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 gros combat au niveau du rond central. Ça va aller ou pas? Entre les 6. Eh, ça a été sifflé, capitaine. Ça a été sifflé, monsieur, c'est bon. Oui, vous inquiétez pas, c'est mon boulot. Ça va aller ou pas? Allez, je vous laisse refaire votre lacet. Saïd qui ressort avec Ignace, oh là là, ça passe. Ignace, coup de rein. Toujours pour Saïd. Toujours dans l'air de jeu. Saïd. 2-0. 2-0. Je vous la donne et ça joue. Vous la laissez rebondir et ça joue, ok? Messieurs, c'est bon? Ouais, c'est parti. Non, vous êtes derrière, il n'y a aucune compensation. Pour moi, vous êtes derrière, vous êtes équilibré. Je vous explique juste, au coup de sifflet, je veux pas de feinte comme l'année passée. On est ok, je vous fais confiance. Gardien, un pied sûr ou derrière la ligne. On n'avance pas tant qu'il a botté, je compte sur vous. Ok, je peux pas regarder partout, mais si c'était pas bon, je ferai retirer. C'est ok? Bien derrière la ligne, derrière la ligne. Pas le pied sur la ligne, hein. On rentre pas dans le rond avant que ça ait été tiré. Allez, reculez un petit peu moi les bouts de pied, s'il vous plaît. Je compte sur vous pour ne pas rentrer, messieurs. Hein. Voilà. On en a marre. Non, 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 j'ai raté. Messieurs, dames, c'est raté, c'est pas une blague. Quand même. Messieurs, dames, non. Non, 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 non. On entend le bruit de là-bas. Non, c'est bon, c'est bon. Allez, allez vous replacer, s'il vous plaît. Je me suis peut-être trompé, en tout cas, on reprendra par un corner. Viens par là-bas. Viens voir. Hé, monsieur Ignace, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on prend par un corner, vous inquiétez pas. J'aimerais juste que les personnes du staff, elles sortent du terrain. Ça, c'est une sorte de menace déguisée, ça. Allez, ça va aller ou pas, monsieur? C'est bon? Vous restez sur le terrain ou pas? C'est bon, on reprend par le corner? Va tomber. Allez, Adé. Allez, Saïd. Voilà. Vous êtes bon. C'est incroyable, les mains qu'ils mettent, c'est rien, monsieur. C'est incroyable. J'ai pas vu la main. Mais si, il met des. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dangereux, il met des coups. J'ai pas vu la main. Je vais faire attention, j'ai pas vu la main. Depuis tout à l'heure, il y a des coups. J'ai pas vu la main, je vous dis clairement. Je vous parle calmement. Pas de soucis, ouais, je vais faire gaffe. Mais à chaque fois qu'un joueur est touché, il reste au sol pour gagner du temps. Donc moi, c'est compliqué de faire le bon jugement. Moi, j'ai pas vu la main. Non, j'ai déjà expliqué au capitaine. J'ai déjà expliqué au capitaine. C'est pas question de mort, c'est question de. Normalement, monsieur l'arbitre, quand il y a un choc à la tête, on arrête le jeu direct. Pas forcément. J'ai pas compris que c'était à la tête pour moi. Les. Ouais, je vais faire attention. Oui, je vous inquiétez pas. Hé, gardien! Allez, soigneur! Allez, vous me le faites sortir. Il est resté sur le côté. Non. Vous avez le ballon derrière, monsieur. C'est dangereux, monsieur. Allez,
Si vous voulez être soigné, vous sortez, monsieur. Allez, vous sortez pour soigner, vous sortez avec lui, vous sortez sur le côté pour gagner du temps. Vous m'appelez pour rentrer. Ok ? Là, je pense qu'on va faire une petite pause sur la vidéo parce qu'il faut vraiment que je vous explique ma décision. On a un match qui montait en intensité et surtout, on arrivait à la toute fin du match. Donc, les joueurs en bleu commençaient sérieusement à vouloir gagner du temps. Un peu plus tôt dans le match, le joueur avait déjà subi un contact qui, pour moi, n'était pas forcément sanctionnable. Il s'est tout de suite mis au sol. À la vision de la caméra, on voit très clairement le pied sur la cheville, mais dans ma vision, je suis presque, on va dire, masqué par le joueur qui me passe devant. C'est un contact assez important qui, en tout cas pour moi, n'était pas volontaire à la base par le joueur. Et donc, après avoir subi un gros contact, pour le coup, le joueur a raison de rester au sol parce que il a vraiment mal. Moi, j'anticipe un petit peu les frustrations et surtout, on est à la fin du match, donc je demande simplement au joueur de sortir rapidement du terrain pour qu'il se fasse soigner, pour qu'on reprenne le jeu. C'est assez à faire quand des joueurs ont des crampes ou un petit peu de fatigue en fin de match, mais là, pour le coup, on a vraiment une grosse faute. Ça n'a pas forcément eu de répercussions sur la suite du match, mais c'est vrai que sur le coup, et surtout, je pense aux gens au bord du terrain, j'ai eu l'air vraiment très sévère. Avant de reprendre le match, on va vite fait parler de la notion de confiance entre les joueurs et les arbitres. Si on a un joueur qui commence à simuler ou avec un contact, on va dire, assez simple, tout de suite, le joueur va crier, etc. Nous, en tant qu'arbitre, on va sentir que le joueur en rajoute beaucoup, donc on va un petit peu perdre confiance en lui. Et là, c'est peut-être ce qui s'est passé. J'ai pas eu 100% confiance en l'honnêteté du défenseur qui a subi la faute, mais pour le coup, la faute était bel et bien présente. On repart de la touche là-bas. La touche pour la France. C'est les jeunes qui l'ont sorti. Monsieur, je vais ajouter beaucoup de temps additionnel si vous prenez votre temps. Reculez, 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 reculez. Monsieur l'arbitre, n'hésitez pas à nous annoncer le temps additionnel si besoin. 5 minutes 5 Il minutes. Reste encore 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes. C'est parti, l'équipe de France est lancée. Et ça joue à deux, ça joue à deux. Centre, et l'équipe de France qui va peut-être... C'est pas fini, Cameroun. Oulala. Oulala, oulala. Hop, hop, contre-attaque, contre-attaque. Loaloa, 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 Loaloa. Encore Loaloa. Récupération de Ignace avec Adrien. Adé, 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 Adé. Hop là, qui la donne à... La vache, la vache. Et non, c'est... Oulala. Ça joue. La vache sur son côté. Qui va jouer tranquillement avec Arsène. Ok, mets ta qualité. Mets ta qualité. Arsène. Récupération. Arsène toujours. Bon alors. Bon alors. C'est un 6 mètres. Capitaine, capitaine. On fluidifie, allez. On pose et on joue. C'est pas fini. Quelle équipe ne va pas lâcher jusqu'au bout? Hop là, Jordan, dénache, décalement. Oh, je vous ai dit 5 minutes. Il reste une minute, ça va? Allez, on joue, gardien. 5 minutes? Non, ça fait 4 minutes, monsieur. On y va, gardien, allez. Encore, encore. Merci JJ. Laissez le ballon, lâchez le ballon, laissez le ballon, laissez le ballon, laissez le ballon. Laissez-moi ça. On y va jouer. Allez, allez. On y va, tu vas fort, sort, encore, encore, finis fort, allez, allez. Bien joué, capitaine. Incroyable, match incroyable. Bravo pour la sérénité, gardien. Merci à vous aussi. Bien joué, 7. Bravo. Merci, coach, pour la sérénité sur le bord du terrain. Merci. Bien joué, monsieur. C'était bien arbitré. C'est gentil, c'est pas facile. Hein. C'était... Ouais. On est, je suis tout seul. Je suis tout seul, juge. C'était bien arbitré. C'est gentil, j'ai essayé de faire le maximum en tout cas. Très bien. Encore une fois, peut-être qu'il y a pénalty sur votre joueur. Oui. Moi, j'ai pris la décision, je l'ai pas vu, je suis masqué. C'est pas évident, parce que quand il n'y a pas de juge, c'est pas évident. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que j'ai essayé de faire le maximum en tout cas. C'est très bien. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ryan Herry, je suis donc arbitre officiel. J'étais déjà venu à cette CAN l'année passée. Voilà, très content d'y retourner. Je m'étais challengé un petit peu pour faire mieux. Je suis tombé sur un match assez tendu pour commencer.
Et je suis plutôt content du résultat. Voilà, moi j'ai trouvé que l'organisation était bien. De toute façon, Samba Almami, j'ai connu très bien, donc c'est cool. À part vraiment un supporter qui est venu me mettre un petit peu la pression sur le terrain, mais sinon j'ai trouvé ça vraiment cool. Les acteurs ils ont bien joué le jeu. Un match assez tendu quand même, très relevé. Quelques cartons dans l'ensemble, pas forcément de gestes méchants. Voilà, petite action litigieuse au niveau du pénalty. Pénalty ou pas, moi j'étais dessus. Ça me paraissait assez léger, on va dire, sur la deuxième situation du pénalty. Sinon voilà, moi écoutez, j'ai essayé de faire le maximum. J'ai hâte d'attaquer les autres matchs dimanche et lundi. Et puis voilà. On arrive à la fin du coup. Je suis vraiment, vraiment fatigué. Voilà, donc tout n'est pas parfait, mais en tout cas j'ai l'impression d'avoir donné quand même une image de maîtrise bien plus importante que l'année passée. Je m'étais un petit peu challengé, je voulais vraiment, vraiment marquer le coup. Je me sens évidemment beaucoup plus aguerri, beaucoup plus en confiance que l'année passée. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant quand on arrive au milieu de ce terrain, je sais pas, l'ambiance, etc. J'ai senti le même stress que l'année passée, mais j'ai su rester maître, on va dire, de moi et de mes émotions. Plutôt content, tout n'est pas parfait. J'ai hâte de checker le match pour tout revérifier, etc. À voir ce que ça va donner demain. Demain, on arbitrera le premier match de la journée avec les gagnants. Donc j'ai hâte, en tout cas je suis plutôt content. C'est vrai que ça allait à 2000 à l'heure, ça allait très très vite. On a fait un petit tournoi caritatif le 23 avril, 27, je sais plus, qui avait rien à voir, mais voilà, en tout cas plutôt content, hâte d'être demain. Et puis la cheville, je me suis encore plus lâché aujourd'hui, j'ai plus poussé, et ça tient le coup. Donc c'est rassurant, donc on va aller se reposer tranquillement, et puis on enchaînera demain.